Moi, je suis né dans le désert, dans le Sahara, grandi toute ma moitié de l'âge dans le Sahara. Le fleuve Niger, ça fait partie du Niger, et donc je suis nigérien, je suis sur le fleuve de chez moi. Je suis le Seigneur Mohamed Anivola et je suis Amazigh du Niger, de toute l'Afrique. Yadesimfasana. Yadastitwikbil, Yadermisawusa. Yadastitwikbil, Yadermisawusa. Hey, Talitina, hey, Talitina. In the Katarha, in the Katarha. Tanam Tahije, in the Katarha. Tanam Tahije. Les traditions pour moi c'est très important parce que celui qui ne garde pas ses traditions, ses coutumes, il s'oublie lui-même. Pour moi, les traditions, si tu respectes ce que tes grands arrière-parents ont respecté, ont gardé, ont fait dans leur temps, c'est ça l'avantage. Il faut toujours respecter ça. Là, tu as toujours le respect pour l'autre. Je peux te dire que ce qui a gagné le moral des gens, c'est l'ignorance. On est riche, nous ne sommes pas pauvres. Nous ne sommes pas du tout pauvres, on est très loin d'être pauvres. Mais on sait appauvrir nous-mêmes. Pourquoi?
comme je t'ai dit, si on garde ce qui on est, le respect qui est entre nous, toutes ces pauvretés ne vont pas venir, on ne va pas les voir. On sait toujours partager les biens quand on respecte nos coutumes, nos traditions. Tu t'élèves le matin, tu vas chez ton voisin qui est d'une autre, je sais pas, d'une autre tribu, d'une autre coutume, d'une autre tradition. Tu prends ton turban, tu le mets. Et le turban, c'est quelque chose qui montre tout cet respect. Je ne suis pas turbané quand il me rencontre, quand il me en cause, on parle, et il sent des choses qui sont là. Il sent ce turban qui est là. Il est dans ma tête, au fond de moi. Mais est-ce qu'on a quelque chose de récent de lui? C'est seulement la vidéo là-bas du dossier en fait. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans All Star Music. Je suis Léo Razak. Merci pour le soutien, merci pour la voix de confiance. Mon invité de ce soir, salam alaikum. Amen alaikum, salam. Maninka. Akousseinou. Maninka. Voilà, au moins ça là, je sais que je maîtrise. Je suis un musicien connu dans le monde et partout dans le monde. Et c'est ma musique qui m'a amené partout. Aux États-Unis, en Australie, au Singapour, voilà. Donc là, aujourd'hui, je suis là, à Berlin. Je continue ma mission. Je me sens que ce n'est pas la même vie, mais c'est une vie que je dois accepter aussi, qu'il doit m'accepter aussi, comme je suis. L'été, c'est dans mes cultures, tout ce que j'ai trouvé, mes parents ils font. Ils font du thé. Et ça me montre que je suis toujours attaché à toutes ces valeurs culturelles de mes arrière-arrière-arrière-parents qui ont toujours gardé ces coutumes. C'est dans les coutumes tamashèques, ces traditions nous ont appris
à se respecter entre nous, à avoir la paix entre les autres, avoir un cœur ouvert envers tout le monde, avoir aimé être respecté, être accepté. On t'accepte tel que tu es.